Et non. Attendez, mais y a personne qui l'a, l'emote secret de pêche, là? Moi, je l'ai, mais... Lavez-vous. Alors, on va mettre ça là. Ah, à la cerise. Ok. Alors, faut bien caler la cerise. Ah, si Tolzimir, il a l'emote secret de pêche. Faut espérer que la cerise passe bien, là. Oui, voilà, exactement ce que je voulais. Ride là aussi. C'est les mots des anciens là. On va essayer de caler ça là. En fait, je voudrais préserver la petite fraise qu'on a à gauche parce que j'ai envie qu'elle puisse tomber pour nous faire une petite réaction en chaîne là. Mais je crois que j'aurais pas le droit au bonheur. Hein. Imagine Rof qui joue à ce jeu. Je pense que personne n'a envie d'imaginer ça, non? Bon, je suis obligée de faire ça. Hein. Pour essayer de débloquer un peu la map. Allez, poussez-vous! Elles veulent pas se pousser. Il y a plein de réactions en chaîne qui sont prêtes là, mais elles veulent pas se pousser entre elles. Voilà, il fallait juste se plaindre. Vous connaissez la règle, hein, il faut juste se plaindre. À l'instant où vous vous plaignez, tout devient facile dans la vie. La seule chose à faire, c'est juste de se plaindre. Il faut que je fasse tomber un petit raisin dessous là. Hein. Vraiment pas ici. Ah, attendez, peut-être que ça va glisser. Oh, ça glisse pas assez. C'est bon, ça a glissé. Tu fais tomber des fruits sur d'autres qui sont à 2 cm de se toucher et t'es giga déçu. Ma vie. Ma vie, mec. À chaque fois, je suis trop heureuse, je suis en mode « Vas-y, ils vont se toucher !» Ils se touchent pas. Ils se touchent pas, ils font n'importe quoi. Je suis dégoûtée. J'ai trop la haine. Non mais là, regarde, tu vas voir. La réaction en chaîne ? Bah, le problème, c'est que là, ma réaction en chaîne, elle est baisée parce que les pêches, elles sont à 10 000 mètres l'une de l'autre. Je sais même pas où aller pour continuer là. Je vais pas vous mentir. Je trouve c'est bâtard aussi. Les fruits qui se coincent dans les coins là. C'est assez bâtard. Hein. Faut que je préserve ce truc pour essayer de le faire tomber là. Là, il faudrait qu'elle tombe là-dedans. Hop, parfait. À laquelle je vais essayer de faire. Oh, on va essayer de se séparer là. Hein. Là. Bam, touchez-vous. Non, touchez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande gentiment. Touchez-vous. Ils sont pas cool. Ouais, et puis alors là... Ah, ça y est. Ça, c'est le rage play. Ça, je reconnais, c'est le rage play. Ça, c'est quand tu fais n'importe quoi. Ok, on a un ananas, on a des pêches. Peut-être... Non, c'est chaud, hein. On a une pomme en bas. Ça a changé le gaming. Bonjour! J'espère que vous passez une bonne après-midi. Moi, je passe une merveilleuse après-midi actuellement avec des petites pêches, là. On est stressé sur le gaming, hein. Ah, attendez. La réaction en chaîne? J'ai rien préparé pour faire une réaction en chaîne, mais peut... Oh oui! Merveilleux! Tu m'as régalé. Merci, le jeu. Merci beaucoup le jeu. Je suis sur la faille en t'écoutant. Ah bah régalez-vous bien les joueurs de LOL. Les joueurs de LOL. J'ai 40 ans. Alors c'est con mais en fait j'ai envie de plutôt récupérer par ici ma pomme.
Parce qu'il y a déjà une pêche ici. Et donc si je pouvais faire une petite pêche à côté et du coup tout fusionner ensemble, ce serait mieux, je pense. Je pense que ce serait grave mieux de faire comme ça. Oh non, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai fait éjecter les Pokémon là. Genre, ils sont partis. Regardez là-haut dans le ciel. Ils se sont fait éjecter. La reine, elle était pas mal. La reine était ok. C'est comme ça que j'ai eu pareil sur mon... J'ai perdu sur mon record. Putain, mais trop la haine là. C'est quoi ces fruits sauteurs? J'avoue, ils étaient en RP Team Rocket, là. Vous avez vu qu'on peut enfiler les fruits aussi absolument parfaitement si vous les faites pas du tout se toucher. Attends, dire qu'on pourrait être en train de rager sur League of Legends avec notre Teemo, là. Et en fait, on est juste en train de faire des petits fruits. Mais je comprends, en fait, maintenant, tous les streamers jeux mobiles. Je crois que je vais changer de méta, je vais devenir spécialiste des jeux mobiles. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas mon destin? Hop. Alors, faut absolument pas la coincer dans un coin. Ça, on sait que c'est choke. Mais en même temps, elle donne tellement envie comme ça, là. Code créateur Lady Sunny pour avoir un skin Suica gratuit. Putain, mon rêve, quoi! J'aimerais trop... Pour vous donner la musique du jeu à télécharger sur votre portable. Comme les gens qui ont plus de 45 ans, là. Vous vous souvenez de ça? On payait pour avoir des musiques sur nos téléphones. Alors, tac. Sponsor Fruits. Ah, j'avoue, la Sponsor Fruits, là. Ça a changé, hein. J'avoue que si j'étais le CM de chez Fruits... Qu'est-ce que j'aurais fait des blagues sur le jeu? Bon, alors attendez, là c'est pas terrible. On va fusionner de ce côté-là, je vais essayer de prévoir une réaction en chaîne en bas là-bas. Ah non, elle a fait exactement ce qu'il fallait. Ouais, c'est comme ça. Le jeu prend une autre dimension quand tu penses à Fruits. Un peu, hein. Finalement. Parce que tout n'est pas qu'une histoire de fruits. Non ! La fraise, tu dégoûtes ! Oh, je n'ai que de la malveillance envers cette fraise-là. Oh non, elle est vraiment pas tombée au bon endroit. Attendez, peut-être. Peut-être qu'on va pouvoir rattraper comme ça. Parce que là, on va faire une réaction en chaîne. Celle-là, on va la préparer ici. Ah, de toute façon, on n'a pas le gros bonheur apparemment. On va juste déclencher ça. Faudrait qu'elle se touche les cerises en bas, là. Touchez-vous les cerises! Dégoûté. Dégoûté parce que ça, voilà, ça va nous enchaîner les réactions et ça va pas nous faire cette nico, quoi. La fraise doit être ban sur cette action. Clairement. Hein. Je n'ai que de la haine envers. Ah, attendez, elle va se toucher les cerises, là. Voilà, ça se touche les cerises. Hop, ça fait une belle grappe. Bien joué. Merde. Oh, tout explose. Ça y est, c'est la fête. Tout explose. Peut-être essayer de la caler pour faire une prochaine réaction en chaîne, mais bon. Même si elle nous fait une réaction en chaîne, elle va pas aller très loin, quoi. Oh, shit. Oh, je voulais pas aller là. C'est baisé un peu, je crois. Je crois qu'on vient de perdre la game sur ce play.
trop grave. Trop grave ce qui se passe. Ça y est, le rage play. On est en full rage play, là. Du World Cup de prévu aujourd'hui, assez peu probable. J'avoue qu'aujourd'hui, je pense que ça va être petit fruit, là. Aujourd'hui, ça va être les fruits et éventuellement peut-être un peu de LOL, mais je suis pas encore sûre si on fait du LOL. En fait, ça va dépendre de comment je le sens. Genre, j'aime bien jouer aux fruits, là, en ce moment. Un smoothie de prévu aujourd'hui. Putain, c'est trop bon, les smoothies. Votre parfum de smoothie préféré, les gars? Non, aujourd'hui, j'ai décidé, il nous faut du soleil dans nos cœurs. Et la seule façon d'avoir du soleil dans nos cœurs, c'est d'avoir des pastèques. Oh, regardez ces beaux plays. Toutes les réactions en chaîne, là. J'avais tout prévu. Évidemment. Note exactly ce que je voulais faire. Il me faudrait une petite cerise, là. Oh non. Allez. Allez, on touche. Fraise, framboise, fruits rouges. J'avoue, les trucs aux fruits rouges, c'est toujours un banger, c'est trop bon. Je pense que c'est dans mon top. Avec le café, c'est vraiment dans mon top. Les fruits rouges, là. Qu'est-ce que c'est bon. Banane, coco. Ah, oh, les trucs à la noix de coco aussi. Après, je crois que je suis une Yankee, j'adore les trucs aux fruits, globalement. Je trouve que c'est toujours trop bon. Enfin, sauf les gâteaux aux fruits. Genre, à vide, les pâtisseries aux fruits, je trouve que c'est toujours un peu pas ouf. Je suis souvent un peu déçue des pâtisseries aux fruits. Smoothie, café, ça y est. Non, je pensais à de l'alcool. Genre, je sais pas pourquoi mon cerveau a shifté et il s'est dit... il pensait au cocktail, quoi. Pina colada, exactement, pina colada, c'est très bon ça. Pourquoi on parlait de pâtisserie et de smoothie et d'un coup on se met à parler d'alcool? J'ai encore merdé, hein. Faudrait que je fasse rouler ce truc-là. En fait, des fois, j'ai envie de secouer. Parce que ça me frustre. Bon, alors là, pour le coup, c'est bien que ça soit tombé. Je sais que ça a pas l'air bien dans la théorie. Dans la pratique, trust me, c'est bien que ça ait roulé. Là, ça, par contre, c'est pas bien que ça ait roulé. Parce qu'en fait, je voudrais fusionner celle-ci, voilà. Merde, c'était celle du bas. Fallait que tu fusionnes avec celle du bas, pas celle du haut. Je suis dégoûtée. Faites des réactions en chaîne, s'il vous plaît. C'est le moment. Là, c'est le moment. Vous faites des réactions... Oh, je dégoûte. Alors, on va essayer de provoquer depuis ici une réaction. Vas-y. Bam, 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 bam. Touchez-vous les pêches. Allez, on se touche les pêches, là. Bam, bam, bam. On se touche les petites pêches. Je suis pas habillée. Dans 15 minutes, je dois être partie. Une dernière game, ça passe. Ça passe tellement pas. Oh, ils veulent pas se toucher les pêches, quoi. Relou. Regardez, elles sont tellement proches de se toucher, là. Vas-y, touche-toi la pêche. Je suis dégoûtée, hein. Je me fais int ma game, là. Tout ça parce que les pêches, elles veulent pas se toucher. Ça me dégoûte. Il n'y a qu'une cerise entre les deux pêches. Mais oui, il y a une petite cerise entre les deux pêches. Là, j'ai trop la haine. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, évidemment. Bienvenue sur le meilleur jeu du monde. Suika Game. Ah, attendez, peut-être... Non, toujours pas. Putain, mais il y a des cerises, là. Elles empêchent les pêches de se toucher. Ça me dégoûte. Fuck les cerises. Allez, peut-être. Non, toujours pas. À chaque fois, j'y crois et à chaque fois, c'est la même chose. Oh non, j'ai confondu les fruits. Putain, j'ai confondu les fruits. J'ai trop la haine. Non.
Oh, c'est FF. Alors, attendez. Oh, et puis je misclique. Oh. Oh. Je misclique à la fin. Dégoûté. À une cerise de la joie. J'étais à une cerise de toucher le bonheur. Vraiment. Le bonheur était là. Genre, le bonheur, c'était ces grosses pêches là qui allaient toutes s'assembler ensemble. Et il y avait une cerise au milieu. Elle était comme as. Et elle m'a juste pris mon bonheur. Voilà. Elle l'a pris, elle l'a mis dans un petit papier, elle l'a juste brûlé. Je suis dégoûtée. J'ai passé une belle journée et puis j'ai croisé cette cerise au mort, là. Bon allez, moi je le sens... Là c'est une run pastèque. Ok. Je le sens bien. Bon, peut-être pas. Mais il me faut un petit peu plus d'expérience dans le jeu pour pouvoir vous dire si c'est une run pastèque ou pas, mais... Oh, c'est FF. Oh, c'est fini. C'est fini, on restart. On relance le jeu. Non, on va juste dégager les trucs là. On va juste tout dégager ici. Puis voilà. Bon, du coup, désolé à toutes les personnes qui, à partir de maintenant, ont découvert ce jeu, l'ont lancé et du coup sont en retard pour tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Désolée à toutes ces familles que je vais briser parce que en fait plus personne ne va répondre au téléphone parce que tout le monde va être occupé à jouer à Suika Game qui est vraiment le meilleur jeu. Qui répond au téléphone de base? Tain, j'avoue, vrai débat, vous répondez au téléphone? Moi, jamais. Jamais, sauf si je sais que j'attends un truc. Principe de base. Ça va se toucher les fraises là, mais le problème c'est d'accéder à un raisin maintenant. Ça va être un peu complexe. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une méta, genre si t'as un fruit qui est coincé en bas, c'est fini, tu vois. Je réponds à tout le monde 24/7 pour les familles et amis proches, putain, mais t'es un goat. Je pense qu'on te mérite pas. Moi, je réponds jamais au téléphone. Mais je crois que je fais de l'anxiété un peu sur ça. Oh, attendez, la petite réaction en chaîne, là, je le sens bien. Peut-être une run, peut-être une petite run gagnante. Faudrait que... Hop. Elles arrivent à se rapprocher. La fraise qui tombe là, c'est vraiment pas terrible. Mais alors, peut-être qu'elle va leur permettre de se toucher. Bon, en tout cas, elles sont à côté. Donc maintenant, il y a juste à caler un raisin là-dedans. Je pense qu'on va le faire passer par là. On va faire des fraises pour faire passer un raisin dedans. Faisons ça. C'est une épreuve de répondre au tel quand c'est du taf et un peu avec les proches aussi. Même au taf, moi. À l'époque où je devais répondre au tel pour le taf. Même je devais passer des appels pour le taf. Oh, l'angoisse horrible que c'était pour moi. Je détestais ça. Station orbitale ici la Terre, vous recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Connectez-vous en mode Wi-Fi SIM avec la Livebox 6 et la nouvelle Livebox 7. On a tous quelque part une âme d'explorateur. On peut aimer l'aventure et aussi son petit confort. Aimer la mer au-dessus et en dessous aussi. Aimer la danse, préférer le prof, changer de voie ou encore changer de vie. Les kilomètres parcourus ne mesurent pas seulement la distance, ils mesurent ce que vous en faites. Skoda, faites que chaque kilomètre compte. Skoda. Manon poste cette photo, c'est parce qu'elle veut que son ex y voit ça. Et qu'ils se disent tcha tcha, Manon est à Marseille. Et là, il va se rappeler qu'il se marrait quand même beaucoup plus avec Manon qu'avec Zélie. Est-ce que ça va fonctionner? Pas sûr. Mais avec le forfait 100 Go de NRJ Mobile, 11,99€ pour peut-être récupérer son ex, ça vaut carrément le coup. Allez, j'ai oublié quelque chose. Non, ça va, c'est bon, merci maman. Allez. Non, je t'assure, je te promets.
Bélib, du mobile au compte bancaire en un instant. Le jeu Monopoly est de retour chez McDo dans son édition Ultimate. À gagner cette année, vos produits McDo préférés, une télé 4K, 100 000 euros, en plus de millions d'autres cadeaux. Et c'est 100% gagnant. C'est-à-dire que tu gagnes tout le temps. Ça rend certains plus échanges plus faciles, ouais. Je suis assez d'accord. Oh, si proche, encore une fraise, là. Enfin, encore une cerise. C'est toujours la faute des cerises, vous avez remarqué? Tout le temps la faute des cerises. Attendez, elles vont se toucher. Elles vont se toucher, elles vont fusionner, elles vont faire une deuxième pêche. Qui va faire un ananas? Oui, mais trop facile, ce jeu. C'est bon, c'est la bonne run, là. Je le sens. Je le sens de... On va stocker ici. Not all cerises, but most cerises quand même, hein. Not all cerise, but a lot of cerise, hein. Allez, easy. On clean. C'est ça la strat, en fait. Faut juste clean. Allez, je voulais vraiment pas que t'ailles là. Putain, mais regardez comme c'est beau. Le problème, c'est que là, on a un gros watermelon sur des fruits, quoi, qui ne vont jamais se toucher de leur vie. T'as déjà fait une pastèque? J'en ai fait juste avant. La première game de la journée, on a fait une pastèque. On est trop chaud. Après, j'ai pas fait de double pastèque. Mais je pense qu'on va y arriver. C'est pas oufissime ce qui est en train de se passer. Attendez, peut-être. Non, c'est pas un craint. J'arrive jamais à faire la deuxième pastèque. Trop dur de faire la deuxième pastèque, en vrai. En fait, j'aimerais bien... Regardez, attendez, on va peut-être réussir à les faire pousser et se toucher là en bas. Attendez. Je crois qu'il y a peut-être un monde où ça va pouvoir se toucher. Je crois que ça se touche là. Vous croyez qu'ils se touchent? Est-ce qu'elles vont se toucher? Oui, let's go. Ça me donne trop de plaisir. Et ben on va faire un petit stock là-bas pour les petits fruits nuls. Et là, on va faire un stock de gros fruits cool. Voilà. Le problème, c'est que là, elles vont jamais se toucher, quoi. Je crois que ça risque d'être un peu compliqué, cette strat, finalement. Attends, regarde. Bam. Merde! Il y a le Pokémon qui me casse les couilles, là. Oh, si, c'est bon. Ça va finir au rewind tout ça. Putain, faut que je leur passe mon clip de fou là. Attendez, bam. Oh, regardez. Trop belle run. Incroyable. Il faut que je leur passe mon clip des petits pas.
Steph, je fais n'importe quoi. Ça y est, je panique, je fais n'importe quoi. Quand c'est le confinement et que tu sais pas quoi acheter, je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Elle passe dans l'angle là. Elle passe. Elle passe, mais il va y avoir ces cerises de mort qui vont nous bloquer. Pitié, touchez-vous! Je trouve qu'elles ont l'air malveillantes, les fraises, vous trouvez pas? Je trouve les fraises, elles ont l'air méga malveillantes. Tu sens que c'est des haters. Tu vois du vice partout. Mais non, trop peu. Elles ont l'air trop malveillantes, les fraises. Tu trouvais vraiment qu'elles ont l'air sympathiques? Je trouve qu'elles ont l'air trop malveillantes. Mettre pas trop le jeu, là. Hein. Oh, tu mets vraiment pas le jeu, là. Non, 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 non. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est de l'abus. Excusez-moi, ça, c'est de l'abus. Les cerises savent leur rôle dans cette histoire. Elles sont juste... Elles sont au milieu. Elles servent à rien. Elles sont juste au milieu. Je déteste les... Ah, voilà. Attendez, attendez. C'est le moment, là. Ça y est. Ça se décante. Non. Absolument pas. Oh. Cette musique me procure vraiment beaucoup de bonheur. Hein. J'espère vous aussi. Ça dégue. Ça dégue. J'ai que des fruits de mort. Ça dégue. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, les gars? T'as vu le thème Halloween? Ouais, mais je déteste la musique du thème Halloween. Alors que la musique de ce thème-là, elle est incroyable. Il y a trop de petits fruits, c'est fini! On s'en sortira pas, il y a trop de petits fruits partout. Je vois pas comment on s'en sort là, malheureusement. Oh non, et en plus je l'ai déposé en haut, c'est pas passé. La rune est belle, mais le jeu ne veut pas coopérer. Et ouais, 1905, bah, pas mon meilleur. Hein. La rune était belle, mais pas mon max, quoi. Pas mon max, bon bah ça repart. Hein. Et oui, le petit suicide, je me suis petit suicidé, désolé. Bon alors, moi je le sens. Maintenant, belle game. Belle game. Si on n'a pas encore des cerises là qui nous niquent. Parce que là, j'avoue, on a eu une répartition des fruits qui était un peu horrible. Hein. On a eu plein de petites cerises à la fin. Ah oh bon, si je fais ça aussi, je jette vraiment pas. Je suis un peu une trolleuse. Je suis une trolleuse. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est le play, finalement. Vous savez que j'ai peut-être cherché sur internet s'il n'y avait pas des trucs pour mieux jouer à ce jeu. J'en ai pas trouvé. Oh, ça, ça dégoûte. Tu n'aides pas, assemblez-vous. Now kiss. Oh non, mais non, touchez-vous. Faut juste un cerveau pour gagner. Ah bon, bah, du coup, j'ai pas les prérequis. Hein. J'ai pas les prérequis pour jouer à ce jeu. S'il faut un cerveau, c'est pas possible. Mon QI se compte avec 2 points, pas 3. Bon. Mais juste les plus gros dans les angles et le reste vers le centre. Je suis pas sûre de la strat. Peut-être, hein. Ok, on a une grosse pêche là, bien. Le problème, c'est qu'on a une vieille fraise au milieu.
Là-bas, ils vont se toucher, donc on va les aider. Voilà, on va préparer ça. Ici, on va préparer aussi des petits fruits là pour faire une réac en chaîne. Comme ça, on a le truc qui est prêt ici. En vrai, le début de run n'est pas dégueu là. Le début de run est plutôt clean. C'était juste le début de run qui était plutôt clean. Hein. Je vous annonce que la suite est... Ah, pas mal. Pas mal. Non. Pas ouf. Comme ça, peut-être. Alors peut-être, bah non, elle va rouler et elle va... Voilà. Et là, elle va tout nous décanter, mais du coup, elle va nous empêcher de faire notre play qu'on avait précalculé, quoi. On va dégager ça. Hein. Allez, les petites cerises, là! On donne tout, les petites cerises. Vous n'aidez pas, les petites cerises. Hein. Oh non, elle s'est mise au milieu. Oh, c'est fini. Oh, la cerise au milieu, c'est fini. Celle-là, je vais la pré-préparer ici. Avec un petit raisin au passage. Je crois que... Je crois qu'on a trop de trucs sur les côtés. Et il faut qu'on dégage des trucs. Elle est très jolie, cette run. Elle est très ASMR. Elle est absolument baisée. Mais elle est très ASMR. Genre, moi, j'ai pas compris, je fais de la déco, en fait. J'en peux plus, les trucs, ils sont à deux doigts de se toucher tous les uns et des autres, mais ils ne se touchent pas. Genre, vraiment, l'ambiance est bizarre, tu vois. Ambiance soirée pour ados. Un peu chelou. Allez, touchez-vous les grappes, là. Voilà, bam, 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 réaction chaîne. Bam. Les fruits d'amido. Quoi? Peut-être. Ouais, ouais. Ouais, on est peut-être sur quelque chose là? Regardez la maître classe. Le problème, c'est qu'ils sont tous hyper éloignés. Tous nos fruits sont éloignés! Ça dégoûte! Oh. Quick, quick, quick. Non mais est-ce qu'on vit pas tous pour le moment où tous les trucs se rassemblent comme ça et c'est hyper satisfaisant? Moi j'ai un diplôme d'analyste et je peux vous dire que je pense qu'il y a un effet psychologique de fou du bruitage des petits fruits qui s'assemblent là. C'est totalement un effet psychologique du cerveau. Je veux rien dire ce que je dis mais vous avez compris. Bam. Non, merde. Je croyais qu'ils allaient s'assembler. Pas du tout. Non, mais là, c'est du troll. Je vais te troller, j'en peux plus. Le jeu me déteste à ce niveau. Je peux pas prendre ça autrement.